Salut, bonjour. Une vidéo en encart dans mes deux autres séries sur finalement les super soldats, les gris et la lune, en trois mots. Hein. Et donc cet encart va traiter des crop circles. Il y a quelque temps, Monsieur Richard David Hall, qui tient Rich Planet TV, a fait un reportage avec son collègue occasionnel, Andrew Johnson, du site internet checktheevidence.com. Et il va notamment faire un lien étrange entre les événements du 11 septembre 2001 à New York, les deux tours, et les crop circles. Alors vous me direz, les crop circles, eh bien dernièrement, il y a eu une attaque faite contre les tenants des crop circles et elle a été tournée de telle manière que je la trouve indélicate. Aussi vais-je ramener quelques éléments à cette polémique dont je vous rappelle que si en fin de compte un seul d'entre tous les crop circles restait inexpliqué, cela suffirait à prouver que leur manufaction peut être faite par d'autres entités qu'humaines. Il nous rappelle qu'il a fait avec le docteur Judy Wood quelques épisodes d'enquête aussi, qu'on peut retrouver à l'adresse richplanet.net/911. Donc, je vous présente ici Andrew Johnson, du site donc checktheevidence.com, qui a fait de nombreuses recherches sur quelques sujets rares, du style la Lune, Mars, le 11 septembre, et les crop circles, entre autres. Et donc, il reprend bien le fait que quand on observe ce qui se passe réellement, ça ne ressemble en rien à l'habitude de chute d'une démolition d'immeuble contrôlée ou incontrôlée. Entre le panache et le fumée qui est déjà en train de s'élever, entre la forme de fontaine de cet immeuble dont on dirait que les morceaux se désagrégeant sont expulsés depuis le centre avant de retomber en fontaine sur les côtés, et le fait qu'elles se sont quasiment transformées en poussière au milieu de l'air, au milieu de leur chute. Et il y a aussi des évidences sismiques, comme quoi il n'y a pas eu de chute de morceaux, de pans, d'objets lourds, sans compter les témoignages. Et il y a notamment une petite séquence de photos qui nous montre là l'une des antennes supérieures relais d'une de ces tours, que l'on voit donc s'effondrer avec la chute du haut de la dite tour, et dont on voit les contours s'estomper au fur et à mesure de la séquence de photos, et à la quatrième qui nous montre, elle s'est quasiment dissipée dans le brouillage, dans le brouillard, dans le nuage. Donc a priori, tout cela oriente vers l'utilisation d'une sorte d'énergie à énergie dirigée. Un de ses arguments, reprend David, enfin Richard, est que les parties de métal ont changé d'état et se sont transformées en poudre. Oui, lui répond Andrew, c'est un des éléments clés. Il nous suggère aussi donc de nous intéresser à ce livre qui s'intitule « Where did the towers go ?» Ce qui signifie « Mais où donc sont passées les tours ?» avec en sous-titre « Preuve d'une technologie d'énergie libre dirigée sur le 11 septembre ». Et c'est par Judy Wood, qui est une professionnelle de l'ingénierie, de la construction et des métaux. Et enfin bon, elle a quelques titres que vous pourrez aller vérifier si jamais vous doutiez de ses compétences.
Elle a non seulement des compétences là-dedans, mais elle a aussi des compétences en psychologie. Donc, elle arrive à nous montrer à quel point est-ce qu'on a subi une dissonance cognitive entre le discours qui était prononcé et les images qu'on voyait à la chute des tours. On disait les tours brûlent, alors que les tours n'étaient pas en train de brûler. On disait les tours s'effondrent, alors qu'elles étaient plutôt en train d'être pulvérisées. Enfin, il y a énormément comme ça de petites phrases qui répétaient et assénées avec force finissent par faire place à la vérité dans le cerveau de quasiment tout le monde. C'est fait pour, c'est une faille psychologique de notre, soit l'éducation, soit notre cerveau. Enfin, mais comme tout le monde n'est pas tombé dans la faille, je dirais que le cerveau reste surprenant. Il s'avère qu'en fait, parmi les preuves, il y a eu très très peu de dégagement de chaleur lors de la chute des tours. Le fait qu'après, sur place, il y a eu des endroits où, ça c'est un encart de ma part, où pendant 90 jours, me semble-t-il, il y avait encore des températures jusqu'à 2000 ou 3000 degrés, est un autre sujet. Donc, il nous recommande d'aller voir ce livre qui fait, bon, 500 pages de preuves avec des photos de la part donc, de Dr. Julie Wood, qu'on voit là à l'écran. Et Richard David Hall reprend le fait qu'effectivement, le cerveau humain, sa manière de réfléchir, le fait facilement revenir à des points qu'il connaît pour se servir d'un raisonnement. Et il aurait du mal à relier des points entre eux qu'il est obligé de découvrir les uns après les autres, nouvellement, là, présentement, sur le cas. Donc, dès qu'il peut retomber sur un raisonnement qu'il connaît, il va essayer de le faire. Ça, c'est pour nous mettre en garde contre les conclusions hâtives. Je me mets dans le lot, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention et étudier les preuves jusqu'au bout, et non pas en laisser une de côté qui pourrait réorienter toute la compréhension du phénomène. Alors maintenant, nous allons quitter cette introduction pour nous intéresser à ce phénomène qui va relier les 11 septembre au crop circle. C'est le phénomène des microsphères de fer. Les microsphères métalliques de fer, iron. Iron sphere. Oui, déjà depuis 2006, ce sujet m'a passionné. Et puis en 2009, il y a eu un article qui est sorti où il y a une étude plus approfondie de la poussière du 11 septembre dans laquelle ils avaient trouvé donc énormément de ces microsphères de fer que l'on voit là à l'écran et qui avaient été dénoncées comme étant la preuve de l'utilisation de termites. La termite étant là un rongeur pour le métal. C'est un explosif ou une sorte de pâte dont la combustion permet de faire fondre les métaux. C'est un mélange de, oh là là, d'aluminium, de fer et je ne sais pas, parce qu'il faut déjà l'allumer ça. Hein. Donc nous, à l'école, on mettait un ruban de magnésium peut-être. Et bon, il y a des proportions, il y a toutes sortes de choses à faire, mais en fait, c'est en qualité nano, c'est de taille nanométrique, et donc cette termite est en général de construction militaire. Il n'y a qu'un État qui a les moyens d'avoir l'industrie apte à construire enfin, ce genre de termite, oui, qui s'appelle Thermite. Et donc, et la différence avec la petite bestiole, c'est qu'il y a un H en moins. C'est hallucinant. Alors, il s'avère que M. Steve Lee Jones, qui a participé à un jury d'études de la fusion froide en 2006, et qu'il avait dénoncé comme étant inintéressante et ne méritant absolument plus du tout l'investissement d'aucun crédit, a lui aussi participé à l'enquête sur le 11 septembre, si j'ai bien compris, et qu'il avait de nouveau dit, qu'il avait de nouveau en fait réorienté les conclusions au-delà de l'intelligence humaine normale, ce qui prouve que ce monsieur est un gatekeeper, est un spook, un espion, quelqu'un qui détourne l'attention, quelqu'un qui fait partie du complot, le pire qui existe. Depuis les soi-disant élites envers le peuple, qui est celui de le maintenir dans l'erreur la plus totale par rapport à la vérité de ce qui se passe sur Terre et de
la situation de la planète et du niveau technologique existant, des réalités scientifiques profondes, des réalités théologiques, si on voudra même spirituelles, puisque évidemment sur cette chaîne on s'intéresse exactement, normalement, à l'exoconscience version exopolitique souvent, et même philosophique parfois. Oui, philosophique au rapport à la mort ou au rapport aux entités qu'on va voir dans le tunnel avec sa petite lumière. D'habitude, hein, la lumière qui est au bout du tunnel, c'est le train qui arrive en face. Donc, Richard reprend en disant qu'il pensait donc que cette présence des microsphères métalliques signait une provenance non usuelle de la destruction. Malgré le fait que le professeur Jones avait sous-entendu que ça avait été créé par une réaction aux termites. Alors, en cas personnel, Andrew Johnson ne croit pas aux termites. Et or, moi, là, je dirais qu'il y en a aussi eu. Moi, j'enlève aucune des possibilités de la création de cette pulvérisation des immeubles jusqu'aux mini-bombes nucléaires particulières. Les armes à énergie dirigée, la termite, parce qu'on a vu des flux de lave, de métal en fusion, enfin vraiment comme dans une fonderie, sortir par certaines fenêtres. Les pompiers les ont décrites aussi dans les escaliers. Il y a les termites et puis il y a aussi certaines photos des poutres que l'on montre vraiment découpées en biais grâce justement au cordon de termites que l'on pose en général lorsque l'on crée des démolitions contrôlées qui s'opèrent de plusieurs manières et notamment en général en faisant se décaler les axes de support de ces immeubles grâce à une coupe en biais de ces poutres maîtresses verticales qui permettent l'effondrement. Et petit encart dans l'encart, justement dans la poussière du 11 septembre, il n'y avait que pas du tout de poutres, on va dire. Il y en avait très très peu et des trois premiers étages, on va dire d'en bas, qui avait cette armature un peu en cathédrale. Mais toutes les poutres montaient jusqu'à l'incendie, même jusqu'en haut de l'immeuble. Donc il aurait dû y avoir un mikado de poutres, au milieu de la poudre. Et pas de poudre d'ailleurs, parce que le béton qui brûle, ça ne se transforme pas vraiment en poudre tout de suite non plus. Mais bon, tout ça, comme ça peut épargner les passeports. Mais bon, la poussière était froide, il y a beaucoup de papiers qui sont tombés, et de manière inexpliquée, il y avait des rangées de voitures aussi qui ont été cramées, comme dans ces derniers incendies-là en Californie. Elles étaient cramées, certaines étaient retournées, et elles étaient cramées d'une manière pas normale. Hein. Ça n'a rien à voir avec les manifestations dans les banlieues quelconques. Voilà, fin de l'encart dans l'encart dans l'encart. Donc lui, il dissocie ces deux cas parce qu'il savait déjà que la termite ne pouvait avoir eu, d'après lui, aucune raison d'être dans les effondrements du 11 septembre. Enfin, moi, je ne vais pas vous refaire mon encart, mais je maintiens ma position. Les termites ne transforment pas les choses en poussière, comme il montre là. Oui, d'accord, à cet endroit-là, il n'y avait pas de termites. Non, mais... Ah bon, c'est une pointure quand même, Andrew. Par rapport à moi, il est beaucoup plus pointu dans la finalité de ses recherches. Moi, je ne fais que relier les points par la suite, quelque part, avec des arguments racines. Oui, il est clair que les termites déclenchent une réaction exothermique maximum, c'est-à-dire qu'ils dégagent excessivement de température. Mais bon, comme on dit, chacun a son côté de l'éléphant, là, en ce moment. En fait, le panel de physique qui a examiné la fusion froide, c'était en 1999, avec l'affreux là au milieu. Et il s'appelle bien Stephen Lee Jones. Et donc, ce monsieur a levé un front pour débunker la fusion froide. Donc, c'est la raison pour laquelle il le suspecte d'être aussi dans le cover-up, dans la couverture du phénomène en rapport avec les microsphères dans la poussière du 11 septembre, donc, mais revenons à nos crop circles.
Et donc là, effectivement, dans la fin des années 90, 2000, d'après lui, il y a eu ce reportage sur cette découverte de ces microsphères dans le sol des anciens crop, des crop circles qui avaient été formés. Et personnellement, moi, je me demande si à Valensole, en France, effectivement, dans les extraits et analyses qu'ils avaient faites du sol, c'était pas vraiment un crop circle, mais c'était l'endroit où il y avait eu l'atterrissage d'une soucoupe. Est-ce qu'ils n'avaient pas trouvé aussi des qualités, des pourcentages et des formes d'éléments métalliques particulièrement différentes alentour, en dehors du cercle, et de manière progressive, progressivement disparate, plus on s'éloigne du lieu. Et ils nous montrent là ce qu'ils ont trouvé dans le sol, qui est une microphotographie multipliée 100 fois d'une sphère qui a entre 10 et 40 microns de diamètre, qui est magnétique et qui est d'un type régulièrement retrouvé sur le sol des crop circles véritables, évidemment. Ces sphères sont en pur fer. Et le fait qu'elles sont magnétisées révèle qu'elles ont été formées dans un champ magnétique. En voici un petit agrandissement de la même image. On les voit alignées là, peut-être parce qu'elles sont juste aimantées. Hein, je ne sais pas si elles sont soudées les unes aux autres. Toutefois, je me demande si leur proportion ne révélerait pas, je ne sais pas, phi par exemple. Non, j'en sais rien du tout. Mais c'est intéressant. Je me demande. 2, 3, 5. Non. Peut-être en longueur. Donc, Richard nous rappelle que dans le sol, il y a entre 50 à 200 par ppm, particules par million, de molécules de fer. Dans certains engrais, il peut y en avoir jusqu'à 20%. Et qu'a priori, 70% de la croûte terrestre est fait de fer. Donc, ça peut expliquer d'où vient le fer, on trouve. Par contre, il n'est pas sous cette forme-là, hein, bien sûr. Donc, le docteur Levengood, qui a fait cette étude-là, a été discrédité en disant qu'il avait revendiqué les titres de physique ou de médecine qu'il n'avait pas. Et il semblerait que ce monsieur n'a jamais revendiqué ces titres-là. Donc, on fait plutôt croire qu'il revendique ça pour dire après, bah oui, il ne les a pas. Alors que le monsieur, c'est juste un spécialiste, il fait ça comme hobby, il a peut-être été passionné par la chimie et la physique, et puis par la suite, il a acheté des livres, il s'est payé du matériel, il a participé, je ne sais pas, mais enfin, il fait comme nous, là, aujourd'hui, moi non plus, je ne suis pas docteur en physique, ni en crop circle, d'ailleurs, ni en exobiologie, et en anglais, j'ai qu'un niveau assez moyen, en fait, donc je pourrais encore me tromper dans mes traductions, et ça ne veut pas dire que tout ce que je raconte, c'est de la daube. Par contre, que ceux qui n'ont pas déjà eu le niveau que, enfin comment dire, que les gens qui ne peuvent pas estimer que le niveau qu'ils ont aujourd'hui, je suis déjà passé par là il y a à peu près, on va dire 30 ans, c'est décevant quoi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut faire que confiance à des gens en blouse blanche et en cravate, car lui il n'a pas de cravate, ça, ouf, ça le sauve, qui nous vendent du dentifrice au fluor en disant que c'est bon pour les dents. Mais continuez. Et surtout jamais nous intéresser à l'utilisation du fluor par les nazis dans les camps pour rendre les gens serviles, mous du bulbe. Ah oui, ça diminue de 10% le QI facilement, et puis ça rend les gens serviles, simplement. Salut. Et on reprend la discussion sur les crop circles avec cette magnifique photo sur l'effet que l'on retrouve sur les tiges qui ont été faites tordues et qui ont été faites par un phénomène inexpliqué pour l'instant, et en tout cas pas des humains en écrasant les épis avec des planches, c'est cette distorsion au niveau des nœuds de la plante elle-même qui se dilate plus d'un côté que de l'autre, ce qui lui permet de s'orienter dans l'espace, de se retrouver orienté dans l'espace, et donc de marquer un relief différent. Et il y a des fois où, comme vous pouvez constater, le pli est plus ou moins accentué, ce qui permet, vu d'en haut, d'obtenir des nuances dans l'effet de relief, ce qui est hors de propos d'imaginer être à la portée de gens qui marchent sur les planches.
Et on va faire une pause ici, j'ai l'impression, avant que je change de vidéo, parce que ce reportage est en quatre parties normalement. Donc voici le deuxième épisode qui reprend. Et Richard David Hall rappelle qu'en 2010, il a fait un reportage qui s'appelle donc Crop Circle, la vérité cachée, qui existe au moins en anglais sur richplanet.net/cropcircles. Et que, évidemment, je vous suggère d'aller voir, surtout si vous comprenez l'anglais. Et c'est un reportage durant lequel il s'intéressait aux études de deux personnes qui ont vite fait de repérer maintenant, grâce à une grande habitude d'enquête sur les champs crop circlés, de trouver ce que je vais vous montrer du bout de ma souris, là, qui sont ces petits traits sur les tiges, qui montrent bien qu'à cet endroit-là a eu lieu le contact avec le bord contondant de la planche, et ce qui n'a rien à voir donc avec les orientations au niveau des nœuds que l'on peut trouver sur la photo dernière que je venais de vous montrer. Même si là, certains nœuds sont assez proches. Voilà. Il y aura d'autres photos. Donc voici les photos des deux experts en analyse. Hein. Ce n'est pas les deux enflures du MI5 qui avaient été payées pour faire quelques crops et après se dénoncer. Et de même manière, il y a d'autres personnes, là, il y a d'autres groupes qui se réunissent. Ils viennent des fois de coins différents d'Angleterre. Ils se réunissent a priori pendant tout l'été pour faire 140 crop circles, puisqu'il y en a un quasiment tous les jours, pendant toute la saison d'été. Et alors qu'il faut faire toute la nuit, enfin que certains crops font toute la nuit et que d'autres sont vraiment énormes, ont été faits pendant un orage et si près de bases militaires que il est impensable de penser qu'on les aurait laissés faire. Et donc, ces deux personnes ont vraiment étudié ça de près, avec téléobjectif, analyse et tout ça. Et ils restent très déçus chaque fois qu'ils tombent sur un faux, mais maintenant, ils savent repérer les faux à 100% aussi. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de faux crop circle. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas des gens qui pouvaient se laisser influencer par l'enthousiasme. D'ailleurs, j'en connais quelques-uns là qui sont super influencés par l'enthousiasme officiel et académique et qui vont être super, super déçus de voir en profondeur les implications d'un film comme Vaxed, VAXXED, qui a été financé par De Niro suite à la vaccination de son fils qui l'a transformé en autiste et qui dénonce des collusions inimaginables pour tous les esprits sains normalement qui font confiance aux gens avec une cravate et une blouse blanche. Et d'autant plus s'ils étaient au gouvernement, même si, ils venaient juste avant de l'industrie chimique ou bancaire, l'industrie bancaire. Non, mais ça, c'est une bonne industrie, elle fait des jolis présidents. Fin de l'encart. Donc, ce monsieur qui est un des experts nous dit bien que, il faut savoir ce que vous cherchez pour le trouver quand même. Et là, donc, il cherche notamment l'endroit où le bord de la planche à nuit aux épis. Donc là, il nous montre toutes les marques, et notamment vers le centre des cercles, où ils ont plus piétiné qu'ailleurs. Donc il continue à montrer les endroits où on voit, vous voyez, le pli. Bon, on ne va pas insister plus là-dessus. Encore un petit arrêt sur image. Là, d'ailleurs, on voit celui qu'il tient et puis on en voit un autre ici, en tout cas. Et là, il en a réuni toute une petite série où les épis, les uns à côté des autres, ont subi. Alors, ces épis-là, en plus, cessent de pousser. Ils ne se réorientent pas bien vers la lumière, ils cessent de pousser et on ne trouve pas dans ces blés-là une qualité nutritive et énergétique supérieure à dans les épis qui n'ont pas été soumis au crop circle. Et l'été de l'année d'après, cet endroit-là du champ n'est pas encore soumis à une sorte de rémanence de l'énergie qui a créé ce phénomène. Et dans les sous-sols, évidemment, il n'y a pas les petites billes de fer et je ne sais pas, il y a peut-être aussi d'autres variétés métalliques organiques, enfin de micro-éléments de la Terre, qui changent. Mais ça, je n'en suis pas sûr. Mais je crois qu'il y a une. Oui, il y a l'hygrométrie qui change aussi. Oui.
Donc là, David va s'intéresser à un autre crop circle qui, d'après lui, est un original, un normal, un inconnu, un inexpliqué. Un fait a priori avec une arme à énergie dirigée. Enfin, l'effet de rayon dirigé. Et notamment le fait que justement, là, les épines ne sont pas pliées jusqu'au sol. Ils sont partiellement pliés, mais ça suffit à donner un effet de relief vu du ciel. C'est-à-dire que vu d'en bas, on ne voit quasiment rien, là, effectivement. Ce qui, a priori, je dirais, donne la différence entre ce ton-là intérieur et puis celui-ci. Qui est une raison d'être, hein, dans la raison d'être du crop circle. Voilà, ça suffit pour avoir un effet vu du dessus. Il n'y a pas besoin de l'écraser au sol. Richard David Hall rappelle qu'il a fait certains rapprochements entre certains groupes de faiseurs de crop circle et le MI5. Il y en a même un qui avait sous-entendu qu'il recevait des fonds. Donc, d'après David, il y a, on va dire, 60-70% de faux crop et le reste qui a été fait d'une autre manière par d'autres personnes. Donc, une étude du sol sous les crop circles, avec l'étude de la manière dont les cristaux qui y sont inclus auraient pu être formés, a montré qu'il aurait fallu une telle température que tous les végétaux locaux en auraient pâti. Et on avait là une jolie photo que je vais remettre. Et donc, il y a un rapprochement intéressant à faire justement entre le manque de chaleur qu'il y a eu au 11 septembre et aussi le manque de chaleur qu'il y a eu fatalement pendant la création des crop circles, parce que sinon, il n'y aurait plus de végétaux vivants. Et ce monsieur qui a fait donc l'étude sur les cristaux dit qu'entre les pressions nécessaires et les 600 à 800 degrés de température nécessaires pour avoir une croissance de cristaux contrôlée, tous ces facteurs-là rendent improbable l'utilisation de chaleur pour créer ces microbilles de sphère. Et il dit en plus que l'impulse, si bref soit-il, de micro-ondes dont on aurait pu supposer la présence pour créer les sphères, n'aurait pas suffi non plus à la création des cristaux qu'on trouve dans le sol. Et tiens, voilà la photo des véhicules au pied des immeubles du 11 septembre. And the metal of the car was very badly, severely damaged, looked like burn marks. And, you know, the plastic on top of the car for the light assembly, that was undamaged in some cases. And similarly, some of the upholstery was undamaged while the metal, you know, and the car was... Donc, où les plastiques n'ont pas fondu alors que les métaux ont fondu. Mais ça rejoint le fait que la poussière était froide. Et il va faire maintenant l'étude d'un autre phénomène qui est aussi... se retrouve entre le 11 septembre et les crop circles, c'est l'effet sur les gens. Eh bien oui, il y a pas mal de témoins du 11 septembre qui ont dit qu'ils ont lévité, qu'ils avaient quitté le sol, qu'ils avaient été suspendus en l'air. Il y en a même un qui a vécu ça dans l'ambulance, qui elle-même a été sustentée, téléportée, non pas téléportée, en lévitation. Hein. Lui, il a fait de la lévitation dans l'ambulance qui elle-même était en lévitation. Il y a M. Blaise Pasquali qui semble avoir surfé. Ça, ce sont des témoignages que je ne connaissais pas tous. Hein. Le coup d'ambulance, je n'avais jamais entendu parler. Et pourtant, j'en ai des gigas et des gigas hein, d'enquêtes et de reportages sur le 11 septembre. Enfin, il y a beaucoup d'images HD, en fait. Il y avait donc aussi ce phénomène de voitures retournées. On ne sait pas depuis quand est-ce que les incendies retournent les voitures. Même si le réservoir explose, ce qui ne semble pas avoir été le cas, là. Et donc, lui, il parle aussi de, par exemple, M. Freddy Silva, qui a dit avoir lévité autour d'un crop circle, et Ted Gardner, je crois, si j'ai bien compris son nom, en fait, il s'appelle Pat Delgado. Donc là, M. Freddy Silva, qui n'arrive pas à se rappeler de quelle hauteur, il était complètement, a priori, dans les vapes, il ramène tout ça à une notion de son. De vibrations sonores. Mais il rapporte là, voire lévité. Et maintenant, ils vont s'intéresser à un troisième phénomène, qui est donc ce phénomène que j'appelais de rémanence, et qui disait que des formations qui avaient eu lieu en 2003 sont encore
visible en 2004 dans tous les champs qui avaient été touchés. Et ça, c'est encore une évidence de plus que le fait de faire ça avec des planches n'aurait eu aucune raison de se reproduire là, l'année suivante, au même endroit, etc., etc. Voilà. Je ne sais pas si c'est le moment de dire que le manque de preuves n'est pas la preuve du manque. Parce qu'en fait, c'est plutôt sur un raisonnement un peu complémentaire à cette phrase-là que je voulais intervenir là tout de suite. Mais c'est ça l'idée, quoi. Ce n'est pas parce qu'on arrive à prouver que quelque chose n'est pas reproductible que ça n'a pas une raison d'être. Et voilà, justement, j'ai l'habitude de critiquer les physiciens qui estiment qu'une expérience est acceptable lorsqu'elle est reproductible à volonté en laboratoire. Eh bien, voilà, leur naissance n'est pas reproductible à volonté en laboratoire. Leur naissance, leur arrivée sur Terre. Donc, ils n'existent pas, ces gens. Ben, ils sont issus d'une expérience qui n'existe pas. Vous voyez ? Alors, ça devient de la philosophie, évidemment. Non, mais enfin, et puis je vous dis qu'il y a collusion entre les services spéciaux qui sont le bras armé des lobbies qui ne veulent pas qu'on découvre autrement ou d'autres façons de conduire sans route, sans pneus et sans moteur à essence explosif qui est censé déclencher les guerres sans arrêt et énormément d'autres choses. Enfin, vous verrez, hein, au début, quand on apprend que le Père Noël, c'était nos parents, on est super déçus. Hein, les parents nous ont menti. Bien, on s'y fait. Au moment, il y en a même qui reproduisent ça auprès de leurs enfants. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça, de sinistre mémoire. Bon, on va voir si on apprend quelque chose de plus dans ce petit épisode. Bon, là, il va s'intéresser au 11 septembre, à l'immeuble de la Deutsche Bank. Et ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à le réparer, puis finalement, ils l'ont démantibulé par la suite. Ça, c'est l'endroit dans la Deutsche Bank où est arrivée une des poutres incroyables de, je sais pas, je crois qu'ils avaient 7 tonnes de ferraille, où elle faisait 7 mètres de long, je ne sais pas. Oui, la Deutsche Bank était pas loin des deux tours, mais enfin pas à côté. Hein. Elle était, hein, je ne veux pas dire de bêtises, 50 mètres ou plus, ou 150 mètres. Enfin, toujours est-il que la poutre, a priori, est rentrée là-dedans, quoi. Et voilà, c'est très intéressant, quoi. Comment est-ce qu'il est arrivé jusque-là? Quel genre d'explosion peut propulser une poutre de ce poids-ci à une telle distance, avec une telle force? On ne saura pas parce que le NIC a refusé de décrire par quel programme informatique ils ont réussi à expliquer la chute des tours en, sous prétexte de sécurité-défense. On se fout du monde, on se fout du monde. Mais c'est gravissime. Donc, je vous en prie, messieurs, mesdames, toujours, demandez-vous à quoi ça sert de nous balancer cette explication-là, qui ça court, qu'est-ce que ça peut cacher d'autre. Oui, je sais, c'est désagréable de se rendre compte qu'on nous ment et qu'on se fait manipuler, je sais. Dans mon monde, ça ne devrait pas exister prochainement. Là. Mon monde, c'est celui d'un peu tout le monde qui en a marre de se faire mentir, manipuler et puis propulser vers un nouveau Moyen-Âge avec des limitations mentales de plus en plus accrues et des maltraitances de plus en plus acceptées. Ce qui est aberrant. Hein, aberrant. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qui peut se permettre de donner de tels ordres criminels. Et d'ailleurs, a priori, la loi dit que c'est interdit d'obéir à des ordres criminels. Je dis ça, par exemple, pour les chemtrailers. Et les toubibs qui vaccinent encore avec ces vaccins-là et qui refusent de retrouver les études de Pasteur. Hein, Pasteur, qui n'était même pas biologiste. Enfin, par contre, il faisait partie de certains clubs. Ah, je vous laisse faire quelques petites recherches. On était sur les crop circles en fin de l'encart.
Donc on revient sur le 11 septembre. Là, lorsqu'ils l'ont démantelé en 2006, il semblerait qu'ils avaient trouvé des points de faiblesse incroyables, et notamment des attaques de rouille inexplicables. Donc ils comparent effectivement le côté écho, le côté résiduel récurrent de la formation des crop circles dans le champ de l'année d'après, avec le même schéma que l'année précédente, évidemment, hein, avec cette continuation de la détérioration des éléments constitutifs des immeubles dans la proximité du 11 septembre, de Ground Zero, et qui a fini par provoquer le démantèlement complet de la Deutsche Bank après 2006. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu rebâtir de tour à l'endroit et qu'ils ont mis cette fontaine là, parce qu'a priori, la présence de l'eau, c'est le seul truc qui ne se détériore pas plus. Alors, mais c'est une physique aux effets inconnus pour le grand public, dont je fais évidemment bien partie. Et donc là, par contre, sur les lieux de crop circle authentiques, faits par les ITI, de manière ITI, on va dire, il a trouvé un niveau de radiation, de rayon X, a priori, 18 fois supérieur à l'extérieur. Et il suspecte la cause de ce rayonnement d'être de nature électromagnétique. Il n'a pas pu conclure d'où provenait cette source d'énergie. On rappelle aussi qu'il y a des personnes qui se sentent mal à l'aise, voire malades, après avoir été dans certains crop circles. Et là, je fais un petit encart. J'avais cru comprendre qu'en fait, il y avait des niveaux énergétiques qui, s'ils sont supérieurs à celui que vous pouvez encaisser, vous débordent. Donc, il y a des fois où vous ne prenez que ce que vous pouvez prendre, et il y a des fois où la surcharge vous crée des effets négatifs. Et j'avais aussi entendu dire que parfois, il y avait des crop circles d'intention positive et d'autres fois d'intention négative. Parce que de la même manière qu'on peut avoir des dessins qui sont positifs pour leur environnement, eh bien, on peut avoir des dessins qui sont négatifs. Il y a des ondes de forme qui sont négatives. Ne dormez pas sous l'angle d'une poutre, par exemple. Vous dormirez bien moins bien que si vous en êtes loin ou s'il n'y a pas de poutre. Donc, à propos des crop circles, on se demande quand même d'où peut provenir la source de l'énergie qui provoque ça. Et ce monsieur témoigne là d'un ovni qu'il a vu qui ressemblait à un tube noir de 2,50 m de haut, je crois. Non, en fait, il faisait 70 cm, 2,5 pieds de diamètre sur une certaine longueur. Et ce témoin en a vu non seulement un, mais en plus un deuxième qui est apparu de ces tubes noirs, cylindrique a priori. Donc c'est monsieur Albert Bull qui était donc le fermier de l'époque à l'endroit de... Il va y avoir un crop circle à cet endroit, hein. C'est bien entendu. Ben voilà, il y a une représentation graphique là. Le genre. Et il y avait un mouvement circulaire des brins d'herbe au sol. Donc, si, comme la majorité des crop circles sont faits de nuit, ça a été fait avec ces tubes noirs, évidemment, ça c'est encore moins visible. Par contre, moi, je sais qu'il y a eu des vidéos fake, mais j'ai une vidéo qui date d'il y a très longtemps, qui a été tournée il y a très longtemps, où on voit des sphères lumineuses. Donc, je suppose que Richard David Dole, qui s'est hautement intéressé au sujet, a fait mention là de l'existence des TR-3B, ou même à la limite de certains hélicoptères avec des dispositifs de silencieux en vol, enfin de vol silencieux. Je ne sais pas, moi j'imagine aussi qu'il peut, effectivement, s'il y a un SSP, il y a plusieurs factions et qu'elles se font parfois la guerre, raison pour laquelle il y a des crop circles positifs, d'autres négatifs, parmi les authentiques, et qu'à la limite, il y a toujours la désinformation, donc de temps en temps, on va faire une abduction avec du personnel militaire, mais des moyens rétro-ingénierés de ITI pour détromper la population qui pourrait vraiment flipper si elle se rendait compte qu'en fait, une abduction antécédente n'avait pas du tout été faite par les militaires, mais par une espèce étrangère qui est en train de se nourrir sur le cheptel humain. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, je ne veux pas faire flipper les fragiles. Alors, ils regardent ça toute la journée à la télé, dans les films, ils adorent voir du sang, c'est les premiers à regarder des trucs de zombies, mais dès que tu parles de ça dans la vérité, alors là, les gens flippent. Je ne comprends pas. Moi, je ne regarde pas de films de zombies. Hein. Moi, je trouve que la réalité est assez horrible et que j'aurais envie de rêver lorsque on sera en tranquillité et en sécurité.
Mais là, on est en pleine guerre, ce n'est pas le moment de rêver. C'est le moment de se réveiller, dirais-je. Mais enfin, donc, il y a des gens pour qui il n'y a pas. C'est plus important de maintenir le statu quo de la société tranquille pour qui la croissance est le seul moyen de se développer, ce qui n'existe pas sur une planète finie. Et surtout, quand on n'admet pas les énergies libres, infinies et renouvelables. Plutôt que la vérité, enfin, je ne sais pas où j'en suis là, mais parce qu'en plus, il y a cette photo du 11 septembre qui montre que tous les ronds rouges, là, ce sont des points qui ont été déterminés comme ayant subi un impact particulier et circulaire. Vous voyez? Donc, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ah, bah tiens! 13 impacts d'un laser incroyable qui fait ça de diamètre. Et ça, j'ai aucune idée de ce que ça fait. Là, on dirait que ça, c'est juste une des parois, oui, ce qui reste d'une des parois. Enfin, je ne sais pas trop, donc je vais me taire. Bon, là, ils ont fait une illustration probable de ce que ça a pu être. Effectivement, quand on voit la photo originale, on peut se demander comment on arrive à faire des dégâts pareils. Moi, je faisais ça avec l'appareil pour détrognonner les pommes, vous savez. Là. Ben, enfin, dans le fromage, on pouvait le faire aussi avec une gouge, par exemple. Eh ben, dans les immeubles, on fait ça avec de l'arme à énergie dirigée. Qui pulvérise les choses. Donc, on n'a même pas besoin d'enlever le trognon. Après, il n'est plus là. Il part dans l'air. Voilà une autre illustration, selon un autre angle. Tout ça sert fatalement à plein de propagande. Non, mais celui-là, ouais, c'est vrai que c'est vraiment bien net, là. Hein? Et d'ailleurs, ils ont été trop loin. Je sais pas, le gars là-haut, il a mal calculé la dérive de la Terre par rapport à... Ou bien il y a une fluctuation magnétique, ou bien que sais-je. Et donc, un petit encart sur M. Nick Pope, qui travaillait donc pour le ministère de la Défense anglais, et qui avait enquêté sur pas mal de cas d'OVNI, qui disait qu'il se devait de réfuter l'idée bizarre que ces formations de destruction ont été causées par des essais d'armes laser basées depuis l'espace ou d'armes à énergie dirigée. Et il repousse aussi la suggestion comme quoi la couverture médiatique de ce phénomène a été orientée par l'usage de notices administratives, on va dire. Donc, il est intéressant de voir qu'il a dit je devais réfuter le truc comme si on lui avait demandé de le faire. Mais enfin, Nick Pope donc, a travaillé longtemps pour le ministère de la Défense. Donc, même s'il a enquêté sur des cas d'OVNI et qu'il disait « Ah oui, c'est bizarre », ça n'a jamais été tellement plus loin. Donc là, on va faire une petite conclusion résumée. Donc, il y a des crop circles qui ont été faits avec des planches, il y a des crop circles qui n'ont pas été faits avec des planches. Et donc, voici deux crop circles différents. Un qui a été fait à la main, à gauche. Important, il est bien fait, hein, il est joli, il est grand, il est bien orienté. Et celui-là qui était fait dans du colza, a priori, ce qui n'aurait pas du tout le même effet avec les planches en plus. Et donc, mais qui est un vrai à droite. Encore deux autres exemples, un factice à gauche et un réel à droite. Donc il insiste là sur le fait que ceux qui ne sont pas faits par l'homme on ressent l'énergie circulaire. On la voit parfois. Enfin, je m'exprime mal là. Si j'ai bien compris, ceux qui sont faits par les faisceaux d'énergie
on les épie beaucoup plus alignés dans le flot que ceux qui sont rabattus et dont les frottements mécaniques des épis les uns par rapport aux autres créent des effets visuels différents et de mikado plus accentués, on va dire. Là, je fais un petit encart parce qu'il y avait une équipe qui faisait des crop circles et qui avait dit qu'ils avaient décidé de faire un crop comme ça pour le gag. Et qu'ils avaient été le faire de nuit, mais que finalement, pendant qu'ils faisaient ce crop, ils se sentaient observés, suivis, qu'ils avaient plus ou moins perçu des shadow people, des ombres noires. Et je ne sais pas à quel point là on est en train de se faire plaisir, mais il y a des gens qui disent qu'effectivement, quand on bâtit un guet-apens ou une trappe ou une escroquerie, il y a des gains d'énergie dans l'excitation lors de la manufacture de la chose, ainsi par la suite que des gains d'énergie lorsque l'escroquerie marche auprès du public et entraîne des dépenses d'énergie en général, hein, plus que financières. Là. Mais parfois des souffrances aussi, et puis des luttes et des divisions et tout ça. Et à chaque fois qu'il se passe ça et que l'homme devient une pipelette, eh bien, il y a de l'énergie qui se gagne par des parasites énergétiques dont la présence et l'existence, évidemment, n'est pas prête d'être expliquée et tolérée par certaines personnes qui, a priori, sont les plus gros malades de la chose. Mais bon. Il faut de la compassion et puis les aider à se soigner, hein, parce que ça n'aide pas de critiquer les choses. Andrew souligne qu'en 2012, enfin autour de 2012, il y a eu beaucoup de crop circles dont le thème tournait autour des Mayas et que c'était un peu bizarre quand même, ou volontaire a priori, qu'on s'intéresse à cette vision-là des temps qu'avaient eu donc les Mayas. Ce qui n'a pas empêché d'entendre toutes les traductions possibles et toutes les confusions possibles aussi. Et puis finalement, certains travaux magnifiques être laissés en plan. Parce qu'il y a beaucoup de masques mayas, par exemple, dont on a découvert que si on en prenait deux images et qu'on les faisait pivoter par rapport à un certain axe qui est décrit, plus particulièrement dans le masque, par exemple, le masque mosaïque, on obtient d'autres images qui deviennent complémentaires et qui changent complètement l'explication qu'on pouvait avoir de certaines scènes, par exemple, de massacre, a priori, ou de fiesta. Enfin, c'est assez étrange. Et il me semble que c'est le révérend James Cottrell, ou non, un autre nom. Mais c'est un révérend, James Cottrell peut-être, qui avait fait quelques vidéos là-dessus, avec toute une étude sur les caractères de la manière, du point de vue astrologique, avec les influences magnétiques différentes en fonction des couches solaires qui cycliquement se retrouvent à inonder la Terre de leurs influences. Et donc, évidemment, toute personne qui intègre à ce moment-là un corps humain. Oui, donc, si on revient au phénomène autour de 2012, il y avait plein de significations dans chacun de ces crops. Les gens ont finalement détourné leur attention envers qu'est-ce que ces crops voulaient dire, plutôt que vis-à-vis de l'origine de la formation des crops. Donc, il faut faire attention de se demander si ce n'est pas été un moyen d'implanter un peu mieux une nouvelle religion. Assez New Age-ique, peut-être. Tout à fait. Et par exemple, celui-là, de Crop Circle, là, ce qu'il interroge, c'est que c'est un message en anglais qui a été écrit en code particulier informatique. Et donc, c'était un crop intéressant parce que c'est la première fois qu'il y avait un message en binaire et en anglais directement et pas tellement encodé que ça par rapport à ce qui pourrait exister dans d'autres crops, dont certains sont des formules chimiques, certains des schémas très simplifiés de moteurs à énergie libre, a priori, avec l'emploi de micro-ondes. Et on reconnaît souvent sur le côté deux petites trous anodins, mais qui représentent a priori l'hydrogène. C'est-à-dire comme un clin d'œil, en plus, une clé pour décrypter le schéma, je dirais. Oui, il faut quand même remarquer que même les militaires sont intéressés dans le phénomène. Bon, là, je fais un encart. Dans l'armée, il y a des parties de l'armée qu'on envoie en enquête sur des phénomènes qui ont été faits par d'autres parties de l'armée. Des phénomènes secrets, des armées secrètes dans l'armée secrète. Donc,
peut y avoir manipulation et mise en place d'une histoire aussi à des niveaux assez insuspectés. Donc, on en reviendra au fait qu'énormément de crop circles sont là pour camoufler quelque part la réalité du petit nombre inexpliqué et dont non seulement on a du mal à comprendre le message, mais aussi, surtout, du coup, on ne s'intéresse plus aux origines. Et ce monsieur qui est mort depuis, à quel âge, 43 ans, bizarrement, et qui s'appellerait Paul Hadley, si j'ai bien compris, sinon excusez-moi pour la prononciation, avait dit qu'il avait aussi repéré des fréquences sonores avec la présence de ces crop circles, des fréquences audio, et donc il a eu l'occasion de travailler avec Colin Andrews entre 2009 et 2010, c'est pour ceux qui voudraient faire des recherches particulières. Et on a bizarrement retrouvé son corps au bord de la mer, hein, comme s'il était parti à pied direction la mer. Hein. Donc, vu la situation assez spectaculaire et bizarre, on peut se demander s'il n'était pas proche de quelque chose de réaliste. Voilà, son nom, c'est Paul Viguet. Oui, alors Andrew précise qu'il avait aussi des sujets sur le 11 septembre. Et donc, en fait, il s'avère qu'il avait été jusqu'à la Maison des Lords pour essayer de faire ses exposés, de convaincre les Lords de l'importance des choses. Donc, voilà. Il y a des gens qui sont lords, mais qui planent, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment. Et donc, il est important, vu leur poids au niveau des votes et de la politique, qu'ils restent positifs et qu'ils soutiennent le gouvernement. Donc, on ne les met pas au courant. Ça me paraît plausible. Et voilà, c'est ce qui clôt ce reportage de Richard David Hall de Rich Planet TV sur les crop circles le 11 septembre. Les microsphères, les armes à énergie dirigées et la disparition de quelques enquêteurs de manière assez suspecte. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ce sujet qui est en diagonale entre d'autres sujets soi-disant de la conspiration, parce que ce n'est pas des conspirations, ce sont des faits que nous étudions et dont les résultats prouvent qu'il y a des conspirations. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt si ça vous a plu. Salut et bon courage.